des attaques, c'est des milices qui ont été créées. Ce sont ces milices qui tuent les peuples. Et ces milices ont été mis sur le label des chasseurs. Ils portent la tenue des chasseurs. Quand le président de la République a reçu la corporation des chasseurs, et quand il a dit que nous comptons sur vous pour lutter contre les terroristes, pour les chasseurs, c'est clair. Ça signifie lutter contre les peuples. Et ils sont dirigés par des anciens militaires. Il y a une corporation des chasseurs qui regroupe tout le monde. Mais les milices, ça, il s'agit des milices structurées. Ce sont des milices structurées qui sont armées et qui emploient des mercenaires. Des mercenaires ivoiriens. Récemment, les attaques qu'il y a eu dans la zone au centre du Mali, on m'a parlé des mercenaires, des dozos qui parlaient anglais. Et dans les affrontements là-bas, quand certains peuples ont résisté, il y en a qui ont reconnu des gens qui ne parlaient ni peul ni dogon, qui ne parlaient que le français avec une grande teinte ivoirienne. Ce sont ces milices qui sèment la mort. Par exemple, si vous prenez au centre du pays, dans le secteur de Guéné, la milice de Mama Dambélé, il y a 400 combattants. Il y a un camp d'entraînement. Il y a la milice de Sirigui, et au pays d'Ogon, il y a la milice d'Ana Anasabou, la milice criminelle d'Ana Anasabou, qui comprend un chef d'état-major, un chef d'état-major adjoint, des forces de commandant des zones militaires, des services de renseignement, qui est complètement structuré comme une armée. Parce qu'il y a des officiers à la retraite qui ont été poussés par le gouvernement. Quand on attaque un village peul avec des lance-roquettes, quand on attaque un village peul avec une calache, ce n'est pas un outil de chasseur. Quand vous êtes en face des personnes armées, déterminées, décidées, vous ne pouvez que garder le profil. Même des chefs Bambara ou des voisins Bambara qui ont cherché à cacher les peuples ont fini par abandonner. Ils vous tuent si vous continuez à protéger les peuples. Au plateau d'Ogon, parce que nous avons dit ne pas utiliser le pays d'Ogon, ça n'existe pas, c'est le plateau d'Ogon. Ça fait leur affaire que les peuples abandonnent les villes. Parce que c'est les peuples qui étaient dans la plaine. Et ils logeaient sur la falaise. Ils passaient la saison sèche à ramasser la terre pour la faire remonter sur les falaises. Ils cultivent sur ça et la prochaine saison de pluie fait descendre toute la terre et la saison suivante, ils reprennent la même chose. Donc maintenant, ça, c'est bien pour eux. Les villages peuls ont été brûlés, vidés, ils récupèrent les terres. Non seulement les peuls sont tués, mais de la façon la plus atroce. Nous avons un des cas où il y a des déplacés. Oui, on a des gens de déplacés. Il y a des gens qui ont été égorgés. Leur mari a été accroché à des arbres, dépêché comme on dépêche un animal. Nous avons des gens auxquels ils ont coupé les pieds. Au niveau du capital de Jambia, maintenant, on a reçu presque 600 personnes. Nous sommes dans les prisons. Peut-être qu'ils ne vous autoriseront pas à aller voir les peuples en prison. Parce que toutes les prisons sont remplies de peuples. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le Premier ministre, quand il est arrivé, on a été avec lui, on a fait des messages d'apaisement. Mais rien. Il n'y a eu rien. Au contraire, la situation s'est dégradée. Il y a une vieille qui m'a appelé ce matin. Elle s'est déjà refusée au niveau de Djoïla. Elle s'appelle Oumou Diallo. Sa famille, c'est au niveau de la commune de Saï, elle m'a dit. Moi, je ne suis pas de cette région, je ne peux pas très bien localiser les choses. Mais elle m'a dit qu'elle est de Saï, que son village est à côté. Que maintenant, les milices vous disent, bon, vous payez tel montant. Que si vous ne payez pas tel montant, nous allons vous attaquer. Son frère qui est là-bas, les chasseurs sont venus leur dire, bon, vous, votre campement peul, vous devrez payer 1 750 000. Donc, ils se sont réunis, ils ont été voir les chasseurs pour négocier. Pour dire, vraiment, vous savez que nous, on n'a pas cet argent. Ils ont dit, bon, nous sommes d'accord, nous allons diminuer 250 000. Mais les 1 500 000, là, ça, c'est le dernier prix, et ça, vous allez le payer. Et si vous ne le payez pas, on va tous vous tuer. Elle m'a dit que son frère s'est déplacé, qui a été rencontré le maire, pour dire au maire, il y a cette situation. Il a informé le chef du village qu'il y a cette situation. Ceci leur a dit, vraiment, nous, on n'a aucun pouvoir. Allez-y, informez le camp de la gendarmerie. Ils se sont déplacés, ils ont été voir le commandant de brigade de gendarmerie. Le commandant de brigade leur a dit, ah, nous, vraiment, il faut payer. Et un groupement de gendarmerie chargé de porter des gens qui vous dit de payer à des malfrats. Elle est là, je peux vous donner son contact. Elle est directrice d'école à la retraite. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a eu des camps où les peuls étaient ciblés sur une liste assassinée. Quand les gens ont fait la réunion, qu'ils vont attaquer la communauté peul, on m'a téléphoné. J'ai appelé le Premier ministre, j'ai appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le gouverneur des régions, le commandant des forces de la région, le service de l'enseignement de la région. Attention, ils vont attaquer tel village peul. Seul le ministre de la Sécurité intérieure a répondu oui. Merci, monsieur le président, message reçu est bien noté. Information sera transmise. Quand le village a été encerclé, j'ai refait le même tour. Attention, le village est encerclé. Ils sont rentrés dans le village. C'est un gros village de presque 10 000 personnes. Ils ont ciblé les familles peules, les ont sortis, les ont assassinés. J'ai informé les autorités à 8 heures. L'armée est venue entre 17 heures et 18 heures, alors que l'armée est à 12 km. Comment vous pouvez comprendre ça? Et quand l'armée est arrivée, ils ont dit, ah, et ils n'ont pas, parce que quand l'armée est arrivée, les chasseurs qui étaient là ont replié.
Le commandant militaire a dit, ah, nous, on n'a pas l'ordre, on n'a pas reçu l'instruction de passer la nuit ici. J'ai appelé un haut responsable Peul qui était à Sébaré, à Mopti. J'ai dit, attention, il faut aller voir le gouverneur. Si les militaires quittent, les restes de Peul, là, ils vont les tuer. Il ne m'a plus retéléphoné. Et c'est seulement le matin, au réveil, j'ouvre mon téléphone, je trouve des messages. En plus des Peul qui avaient été tués, 8 autres ont été assassinés après le départ de l'armée. C'était la même chose au plateau de Mont, dans le secteur de Kourou. Quand les Peul sont venus évacuer leurs parents, il y en a qui ont dit, ah, nous sommes vraiment fatigués, nous sommes des vieillards, on ne peut pas aller. Amenez-nous à la mosquée. Parce que les jeunes dans le village, moi je ne les connais pas, mais ils semblent qu'ils ont constitué des brigades de défense. Ils ont défendu le village, quand ils ont entendu que l'armée allait arriver, ils ont replié. Ils ont amené une bonne partie des villages. En tout cas, il y avait à peu près 6 ou 7 vieillards qui ont dit, ah, Minenkaï Mimbawa n'allait amener Missir. Amenez-nous dans la mosquée. Et c'est quand l'armée est arrivée à 17h, à 17h30, que ces gens ont été brûlés dans la mosquée. Aujourd'hui, dans la région, tout le monde a fui. Ceux qui n'ont pas fui, vous ne pouvez pas accéder aux foires. Les campements Peul, nous n'avons pas où acheter les condiments, ni les vivres, ni le sucre. Vous ne pouvez pas accéder aux soins. Les Peul disent le jour que tu dis Dieu protège-moi, tu ne lui dis pas Dieu donne-moi. Ceux qui habitent Bamako, maintenant les gens se joignent à nous. Parce que quand on leur a expliqué, les djihadistes, les terroristes, ont tué plus de Peul que dans toutes les autres ethnies. Tous les chefs Peul qui n'avaient pas fui ont été tués. Ceux qui sont sur le terrain, si tu défends les Peul, ils vont te tuer. Et il y a les promesses du gouvernement. Le gouvernement promet de faire les choses, mais chaque fois que le gouvernement a passé, après la situation s'est détériorée. Le gouvernement a amené 100 tonnes de riz, 80 tonnes d'aliments de bétail. Ça n'est jamais arrivé au Peul. C'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement. Le gouvernement a les militaires, le gouvernement a les gendarmes, le gouvernement a des cargos pour embarquer ça et amener. Ils nous ont fait faire la réception, ils nous ont filmé, mais c'était tout. Maintenant, non seulement ils tirent sur les hommes, mais ils tirent sur les animaux. Et tu sais de quoi je parle? Tu es mauritanien, tu as fui aussi. Tu sais quoi aussi de quoi je parle? Moi, j'ai dit à l'ambassadeur de France, on a tué tellement de gens. On n'a pas entendu même un seul petit mot. Personne n'a postillonné un mot pour condamner. Ils font rien du tout. Moi, j'ai reçu le commandant de Force Servante ici, j'ai reçu le commandant de Barkhane. Je leur ai dit, pourquoi vous n'intervenez pas au centre pour protéger le génocide? Ils ont dit non, le président a dit de ne pas intervenir là-bas. Nous sommes des militaires, on intervient au centre, vous voyez avec votre président et avec Macron. Il m'a dit ça clairement. La ministre est enfermée, c'est comme si tu amènes quelqu'un, tu le mets dans un magasin, tu fermes. La ministre ne fait rien, absolument rien. Aujourd'hui, pour être président de Tertemploug, il faut avoir la tête sur les épaules. Chaque matin, on te réveille, on a égorgé une vieille, on a éventré une femme, on a brûlé telle maison. Tous les matins, si on ne nous défend pas, on va tous mourir. Comment est-ce qu'on peut faire face à une femme avec son bébé et l'assassiner, même si on n'est pas croyant. Quand tu vois ces femmes enceintes, incinérées, qui sont devenues des morceaux de charbon, avec des doigts comme ça, quand vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, et vous ne le faites pas, qui est responsable? Le gouvernement doit nous protéger tous. Le gouvernement peut nous protéger tous. J'ai dit au président de la République, je l'ai dit, quand il y a eu l'attaque au nord, le président Amadou Toumani Touré, il était à Djema, il a fait un appel, attention, pas d'amalgame, tous les Touaregs ne sont pas des rebelles. J'ai dit au président, dites simplement que tous les Peuls ne sont pas des djihadistes. Dis clairement que les gens comprennent que vous ne sous-traitez pas notre sécurité avec des doseaux, que vous n'avez rien à voir avec les doseaux, des chasseurs. Il ne l'a pas dit. Il a été se promener à Koulogo, il est revenu, il n'a condamné personne. Nous, on n'a pas entendu de condamnation. Il aurait pu même mentir comme les autres en disant que les coupables seront recherchés, poursuivis et en prison. Il m'appelle à 19h pour me dire d'être à l'avion de 6h. Moi, j'ai dit que je ne suis pas un sac. Moi, je ne suis pas un sac contre un coup. Et ils ne me font pas faire. Les Peuls, nous aimons notre pays. Nous voulons la paix. S'il y a quelqu'un qui aime le jour de la résurrection, c'est l'orphelin, parce qu'il va retrouver sa mère au moins. Nous voulons pouvoir conduire nos amis. Nous voulons rester à côté de nos belles femmes. On fera tout pour que le pays ne soit pas détruit. L'IDR, il parle de 300, 600 personnes. Il n'a qu'à désarmer les milices, c'est tout. Dès qu'on désarme les milices, là, c'est fini, la guerre est terminée. Quand les gens ont été brûlés à Kemasena, ils sont allés se réfugier dans la zone de Nyono. J'ai appelé la ministre d'abord. Je leur ai dit attention. Les gens, ils sont allés dans des zones où il n'y a pas d'eau. C'est l'eau des rizières. Donc ça veut dire que c'est l'eau qui coule dans les rizières, qui emporte les insecticides, les pesticides. Aidez-nous à faire un forage. Ils ne l'ont pas fait. Le gouvernement a envoyé 6 tonnes de mille. J'ai appelé les gens de Tertemploug. J'ai dit si on n'aide pas nos parents, ils vont mourir. Moi, Abdulaziz, je donne 10 millions. J'ai déposé 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 10 millions. Quelqu'un d'autre a mis 3 millions, 4 millions. On a eu 27 millions. On a acheté du riz, du sel, des médicaments. Quand on s'est préparé à distribuer, il y a eu une horde de motos d'onzo qui venaient. J'ai appelé le chef d'état-major, j'ai dit attention, les dozo, ils veulent nous attaquer. Ils étaient 60 ou 70 à moto. C'est 2 personnes par moto. Général, il m'a dit, ah bon, hey, de toutes les façons, nous on ne peut rien faire. J'ai dit, vous, chef d'état-major, général des armées, 60 motos, vous ne pouvez pas les désarmer. Il dit, on ne peut pas. Et puis d'ailleurs, vous ne m'impressionnez pas avec vos vidéos et vos trucs là. Je lui ai dit, moi je suis un peu, toi tu es un bobo. Nous sommes des cousins. Nous demandons à Dieu de t'enlever
et de mettre quelqu'un d'autre à ta place. Il me dit tu me maudis, j'ai dit j'étais maudit. Il est remplacé maintenant par un Mauritanien, un vieux Mauritanien qui s'occupe que de prendre son temps. Tous les peuples nous aident, ils nous soutiennent. C'est depuis longtemps, mais ils nous aident. Même ceux qui sont en Israël, ceux qui sont en Zambie, en Mauritanie, partout, les peuples nous assistent. Et les peuples sont sensibles à ce que nous faisons. Mais maintenant, il y a une crise de conscience globale. Si les pays africains de la sous-région, Mauritanie, Sénégal, Gambie et tout ça, pensent que c'est un problème malien, ils se trompent. L'impérialisme international, les multinationales, se fichent que tu sois peul, wolof, serer ou haratif. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est l'uranium qui va du Sénégal au Tchad. Leur affaire, c'est le pétrole. Leur affaire, c'est l'or. Leur affaire, c'est les ressources. Leur affaire, c'est la position géostratégique. C'est tout. Point. Le terrorisme international, ça, la base, c'est où? C'est eux. Ben Laden a été formé où? C'est là-bas. Si ces terroristes étaient en Afrique, ils seraient terminés il y a longtemps. Parce qu'en Afrique, nous avons des mécanismes socio-culturels qui anéantissent tous ces gens-là. Dans nos pays, là, où est-ce qu'on fabrique les armes? Et en Afrique de l'Ouest, c'est la troisième. Il y a eu la grande évasion Rébéba, au 11e, 12e siècle. Ensuite, il y en a eu d'autres, les Almoravides, Mauritaniens. Mais tous ces gens ont été neutralisés par nos communautés. Ça n'a été nulle part. G5 Sahel, G5 ceci, ça n'ira nulle part. Ils ne financeront pas les G5 Sahel. Avec des arguments fallacieux, qu'aujourd'hui, si vous donnez les armes aux G5 Sahel, les terroristes vont les récupérer parce qu'ils vont fuir et les laisser. Il y a eu la bombe qui a explosé dans un journal français. Toutes nos condoléances pour les familles. Mais toute la planète entière s'est retrouvée là-bas, que tout le monde était chargé. On a tué 2000 peuples. Tu as entendu une condamnation, toi qui as des grandes oreilles? On a mis en place un modus vivendi qui date de plusieurs millénaires. On a créé des liens de cousinage. Et toi, en tant que peuple, en Afrique, tu as 25 ethnies au moins avec lesquelles tu as des liens de cousinage. Si tu prends le Sénégal, les Serrères et consorts sont nos cousins. Si tu viens au Mali, les Forgerons, les Bobos et consorts sont nos cousins. Si tu vas en Côte d'Ivoire, les Djagobas, ce sont nos frères. Si tu vas au Tchad, Niger, les Adjara, ce sont nos cousins. Même avec les Bambara, nous avons créé des liens de cousinage. Ça permettait de régler les conflits. Si tu dis à un Bambara, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Il va dire à un Bambara, hey, je n'ai rencontré ni Mohamed, je n'ai rencontré personne, je l'ai rencontré qu'un peu. Et quand tu demandes à un peu, est-ce que tu as rencontré? Ah oui, j'ai rencontré les Bambara avec. Il a toujours des gros bagages dans lesquels il n'y a que des chiffons. Donc, on a créé ces modus et des activités complémentaires. Il n'y avait pas d'animosité. Vous ne pouvez pas au Mali et partout discuter avec les gens sans qu'ils vous le disent que mon grand-père est peul, ma grand-mère est peul. Et aujourd'hui, pratiquement tous les cadres du Mali ici sont mariés à des Bambara. Et ça, c'est dans tous les pays. Les gens qui surfent sur ça, ils savent qu'ils sont sur une mauvaise piste. Nous, au siège de Tabital, on a rencontré toutes les associations de Koulibaly, des Diarra. Tout le monde qui est venu nous apporter son soutien. Et au départ, les gens n'avaient pas l'information, pas une bonne information. C'est quand la presse internationale, avec vous, avec les efforts que vous faites, avec les conférences que nous donnons, les séances, que les gens, ça intéresse les gens. Sinon, les gens, avant, ça ne les disait rien du tout. Mais il y a des... Amadou Koufa est un chef, mais il y a des Konaté qui sont chefs. Il y a des Keïta qui sont chefs djihadistes. Il y a des Yalkoué qui sont chefs djihadistes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés avec les peuls. Moi, je suis président de la communauté peul. 40 de gens qui travaillent pour moi. Il y en a qui sont dans les fermes, il y en a qui sont dans les hôtels, il y en a qui sont ailleurs. On n'a aucun problème entre nous. Le président de Guinée-Dogon, c'est mon grand frère, on se voit régulièrement. On n'a pas de problème de ce. Le problème, si je résume pour toi, ce sont ces milices qui ont été suscitées, créées, entretenues par l'État. C'est le gouvernement.